Alors, bonjour, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à cette émission de Nouvelle -du haut du Lac en date du 17 février 2018. En manchette cette semaine, les citoyens de Beauvais veulent connaître l'échéancier des travaux de la route. La MRC appuie un projet de centre d'innovation de la fourrure et réponse positive des motonegistes pour la passerelle du 49e parallèle. Les résidents de Vauvert veulent savoir ce qu'il adviendra de la route. Les élus d'Olmissois ont eu droit à la présence de près d'une centaine de citoyens et citoyennes du secteur de Vauvert à la dernière séance publique du Conseil de ville. Le sujet de la réfection de la route de Vauvert est revenu sur la table alors que les citoyens voulaient connaître la position exacte de la ville de Dolbeau-Mistassini. Quant aux travaux de remise en état de la route située entre le secteur de Sainte-Marguerite-Marie et Vauvert, de la part des citoyens, on a voulu connaître exactement en quoi consistait la demande de la ville de céder la route au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Pour les citoyens et citoyennes, l'urgence d'agir dans ce dossier est réelle puisqu'il en va de la sécurité des usagers de la route. Le maire Pascal Cloutier a expliqué qu'à la ville maintenait sa demande d'obtenir une subvention à hauteur de 75 des coûts pour la construction d'une route pouvant subvenir au trafic d'une route collectrice, travaux évalués à plus de 12 millions de dollars. La demande de céder la route au ministère est aussi active car elle permettrait d'obtenir la réfection de la route rapidement compte tenu de son état. Le maire Pascal Cloutier a indiqué que les pourparlers avec le ministère sont en cours et qu'une décision favorable quant à l'un ou l'autre des scénarios est en bonne voie. On devrait ainsi savoir, d'ici le début avril, quand les travaux de réfection de la route débuteront. Le maire Cloutier explique en quoi les discussions avec le ministère l'amènent à être positif quant à l'aide à apporter. Présentement, on, on, on est en parallèle sur les deux dossiers. On a le dossier la demande de la Ville, qui est le dossier d'y aller avec 11,9 millions, et on a le dossier qui est de demander au MDQ de reprendre la route. Donc les deux dossiers sont là, les deux dossiers cheminent, puis c'est sûr, comme je vous dis, qu'on va voir euh, présentement, il y a des discussions qui sont positives, puis ça avance. Maria Chapdelaine appuie le cégep de Saint-Félicien pour un créneau de formation en fourrure. Les maires de la MRC de Maria Chapdelaine ont adopté à l'unanimité une résolution d'appui au Cégep de Saint-Félicien afin que ce dernier obtienne une accréditation comme centre collégial de transfert technologique au niveau des pratiques sociales novatrices et pour une formation en matière de traitement de la fourrure. Les élus appuient le Cégep afin que ce centre soit implanté près des entreprises bilodo Canada à Normandie puisque l'expertise se retrouve à cet endroit le maire de Normandie, Mario Fortin, a indiqué que l'entreprise Bilodo Canada est reconnue à l'échelle canadienne dans le domaine de la taxidermie et de la confection de vêtements à base de fourrure et que le Centre de transfert technologique pourrait ainsi bénéficier de la proximité de ressources professionnelles et d'équipements en s'installant à Normandie. Le préfet de la MRC de marioche chapdelaine Luc Explique en quoi consiste le projet du centre de formation et l'importance de l'implanter à Normandie. Les centres collégiaux de transfert technologique, il y en a plusieurs au Québec, là, en fait. C'est des centres qui sont basés sur euh, souvent un créneau bien pointu. On, a, on pense à Grinova, qui est présent à Allemagne, entre autres, au niveau de l'agriculture Centre de géomatique du Québec avec euh, le cégep de Scoutimi, aussi bien ça. Il y en a aussi, il y en a aussi là, à Jonquière. Mais euh, nous, c'est un, un centre collégial de transfert technologique qui est basé sur les pratiques sociales innovantes et il y a un volet là-dessus qui est vraiment axé sur le, le, le pôle fourrure le volet fourrure et euh, nous ce qu'on pense qui est important c'est de travailler euh, de créer un pôle fourrure qui est déjà commencé là, avec euh, ce qu'on fait à Normandie ce que M. Bilodeau fait à Normandin c'est la, la, la grande entreprise au niveau de la fourrure du Québec Puis Je ne pourrais je vais pas les donner là, mais on peut parler plus que ça même au niveau canadien il exporte un peu partout donc on veut vraiment créer au niveau de, de, de ce pôle-là, euh, de la formation, pas, juste, pas uniquement là, de la production, mais il y a de la formation, développer de l'expertise euh, autour, de, autour de cette entreprise-là. Le sentier de motoneige La Passerelle du 49e parallèle reçoit une réponse favorable des motoneigistes. L'ouverture en décembre dernier du sentier de motoneige et de quad La Passerelle du 49e parallèle, communément appelé le lien intégrateur, reçoit une réponse positive de la part des motoneigistes alors que les principaux clubs du secteur ont vu leur membership augmenter de plus de 250 motoneigistes. Le président de la Corporation du Parc des Grandes Rivières, Mario Fortin, rappelle que l'on a voulu mettre en opération le sentier afin de voir la réponse des motoneigistes et connaître les principales difficultés que l'on rencontrerait lors des expéditions. Nous mettrons... L'emphase sur la promotion de la passerelle du 49e parallèle au cours de l'hiver 2018, mais nous sommes satisfaits de la réponse obtenue et nous travaillons à bonifier le parcours, a commenté Mario Fortin. Du côté des municipalités et des clubs de motoneigistes, on a mis en place divers équipements et services qui permettent aux motoneigistes de se ravitailler et d'avoir des services de restauration. C'est entre autres le cas pour Saint-Thomas-d'Uzim, Normandin. Girardville, Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Stanislas. La construction de passerelles au-dessus des rivières Mistassini, Mistassini, Mistassibi et Aura permettra aussi de, aux quadistes d'emprunter le sentier au cours de l'été et de l'automne. Le maire de Normandin et président de la Corporation du Parc des Grandes Rivières explique les projets futurs de la Corporation et l'ouverture des sentiers pour les véhicules tout-terrain. Il a ouvert deux nouveaux euh, relais de motoneige, que ce soit Notre-Dame-de-Lorette, -le, le, le camp euh, pour le, le Festival du Bûcheron et le site touristique Talot. Et eux autres nous disent aussi on a des motoneigistes, Lac à -Gym, tous les relais, Lac des Coudes, saint augustin des rablières nous ont tous dit oui, on veut plus de motoneige ». Alors, on est très heureux, pour une première année, sans trop de publicité, très heureux de constater qu'on est, qu est euh, privilégié d'avoir autant de motoneigistes. C'est sûr qu'on vise. La deuxième phase du projet, c'est d'aller rejoindre les Montvalins, faire une passerelle sur la Péribonca. Et là, je pense qu'à partir de là, les gens qui sont sur les Montvalins vont inévitablement nous, nous, nous voir. Au mois d'avril, on parle avec la Fédération de clubs de, de Quad. On est en train de peaufiner les derniers détails, mais effectivement, je confirme qu'au mois d'avril, lorsque le sentier va ouvrir, ça va être ouvert pour le Quad pour la saison 2000, 2018. Et euh, cet été, on va faire encore des travaux de finition, on reste encore du, du gravier à poser. Je vous dis que voilà deux, trois semaines, on avait encore des gens qui posaient de la signalisation. C'est autour de 800 panneaux de signalisation, euh, des panneaux d'identification. Alors, ça a été beaucoup de travail, mais tellement fier d'avoir que Puis toutes les municipalités sont, sont toutes sourires de dire, oui, on voit un impact, puis oui, on a un projet mobilisateur pour l'ensemble des municipalités de la MRC. Pointe racine en feu. Dans le cadre d'un exercice du service des incendies de la ville de dolbo mistassini les élus municipaux ont accepté que les bâtiments situés sur le site de pointe recine soient mis à feu au cours des journées du 12 au 14 mars prochain. Il en coûtera quelque 58 000 dollars au service incendie pour réaliser cet exercice qui permettra aux pompiers de mettre en pratique des méthodes d'intervention préconisé pour combattre un incendie dans des conditions réelles. Rappelons que le Centre plein air de Pointe-Racine a cessé ses opérations en 2005, que des activités de relance ont été réalisées en 2006 et en 2007. Depuis lors, aucune activité s'est déroulée sur le site et les bâtiments ont ainsi connu un état de délabrement les rendant inhabitables. À l'issue de cet exercice, seulement deux bâtiments demeureront en place. Les élus affirment être en attente de projets à être avancés par des privés ou des organismes afin de redonner vie au site situé à Racines-sur-Mer dans le secteur de Vauvert. dolbeau mistassini contribue au déficit de l'OMH pour 75 000 La gestion, l'administration et l'entretien des 140 logements à prix modique répartis sur le territoire de la ville de dolbeau mistassini demandera des déboursés de l'ordre de 1 133 900 dollars en 2018, avec un déficit prévu de 481 800 dollars à l'Office municipal d'habitation. La ville devra verser 48 180 dollars, ce qui représente 10 du déficit prévu. Le solde du déficit sera comblé par la Société d'habitation du Québec en vertu du programme de subvention pour les HLM. Outre le déficit d'opération, les élus de Dolbeau-Mistassini ont accepté de contribuer pour 5 000 à la réserve financière de l'OMH et accordé 19 800 comme subvention au logement. Ces diverses sommes portent donc à 75 000 la contribution de la Ville à l'aide du logement administré par l'OMH pour l'année 2018. Les jeunes du primaire s'intéressent à la politique municipale. Les jeunes de 5e et 6e année du primaire, fréquentant entre autres l'École Sacré-Cœur de Dolbeau-Mistassini, se sont initiés à la vie politique municipale en rencontrant en début de semaine les élus de la ville, en visitant l'Hôtel de Ville et en participant activement à la période des questions en début de séance publique. C'est dans le cadre des activités entourant la semaine de la persévérance scolaire que les jeunes ont ainsi effectué une visite à l'Hôtel de Ville. Afin de se familiariser avec le travail de maire, de conseiller et de conseillère. Quant aux sujets qui préoccupent les jeunes, ils sont en fait similaires aux adultes, comme en fait foi ces deux questions posées lors du conseil de lundi dernier. Mon nom c'est Nolan Vesna. <coughs> Salut. Puis je me posais comme question euh, prochainement, qu'est-ce que vous voulez améliorer ou ajouter dans la ville de Dolbun Stasinie? Prochainement, ce qu'on va améliorer, puis là, il y a des gens qui vont être contents d'entendre ça la route de Vauvert entre autres et la piscine. <laughs> Je m'appelle Laurence. Oui. Euh, mon frère et moi, on aurait une proposition. Oui. Euh, on aimerait ça euh, euh, fêter l'Halloween et la passer le dernier vendredi du mois d'octobre. C'est une bonne proposition. Je pense que c'est pas, pas la première fois qu'on l'entend, mais on l'apprend. Bonjour, mon nom c'est Félix. Euh, puis, euh, je me demandais, c'est quoi la prochaine chose que vous allez faire qui pourrait toucher les jeunes de notre âge? Oh, très bonne question. Bien, entre autres, un exercice comme ce soir, je pense que ça vous touche. Puis on veut continuer à vous toucher là-dedans. On veut vous impliquer. Ça, c'est important. Puis euh, au niveau de la municipalité, bien, on parlait des, des, des offres qu'on a au niveau des... Si on prend la piscine, on prend le Donc, on veut que les jeunes bougent. On veut que les, les jeunes puissent euh, profiter de nos installations. Puis s'il y a des choses que les jeunes, d'un fois pense, puis qu'il voudrait demander aux élus municipaux, ben, je pense que je n'ai aucun problème avec ça, puis ça, vous pouvez demander une rencontre avec moi, puis ça m'en fait plaisir. Dans le cadre de l'entrevue hebdomadaire cette semaine, nous vous présentons une partie de la période des questions entourant l'Hôtel de Ville cette semaine sur la question de la route de Vauvert. Vous entendrez entre autres le président de la Ligue des propriétaires de Vauvert, M. Murray, de même que le maire, en ce qui regarde l'état de situation sur cette fameux dossier. La route de Vauvert, euh, on en parle depuis 2014. La Ligue a déposé une lettre euh, auprès du maire, auprès des députés, autant provinciales, fédérales, lui disant que la route était dangereuse. En 2015, on a rencontré la ville et on nous a informé qu'il y avait des développements sur la route de Vauvert. En septembre 2015, le nouvel aide-d'eau parle du piteux état de la route de Vauvert. Le 24 novembre, le quotidien, les élus entendent faire réaliser les plaintes de vie pour la réfection de la route de Vauvert. Le 15 décembre, il y a une résolution de la Ville, 15 -12 581 qui dit que, considérant que la route de Vauvert est dangereuse par sa pièce de qualité, considérant que la MRC Mario-Chadelaine a déterminé que cette route de 13,1 km était prioritaire, Considérant que le MTQ offre une aide maximale de 75 considérant que ce programme d'aide est une occasion unique, dans le programme triennal d'immobilisation 2016-2017-2018, pour 2017, on parle d'un de, de montant de 4 millions qui sont inscrits dans le programme, le programme PRL de 3 millions. 2016, on parle du nouveau, dans le nouvel dos des travaux sur 3 ans, s'amorçant à partir de 2017 pour se terminer en 2020. La lettre, une lettre du maire du dissous qui, qui transmet à la Ligue qui dit un investissement de plus de 10 millions que vous réclamez depuis des années pour lequel l'ensemble des contribuables de la Ville paieront 2,5 millions. Lors de la séance du Conseil le 19 décembre 2016, vous adoptez le règlement d'emprunt numéro 1673-16, décrétant un emprunt, une dépense de 11 995 000. Pour la réflexion de la route de Vauvert. Dans le journal, le 20 décembre 2016, on s'inscrit dans une enveloppe globale encore de 12,7 millions qui inclut la réflexion de Vauvert. Rencontre avec la direction de la Ville, le 9 mai 2017, qui confirme encore l'argent qui est là. Les élections municipales viennent en octobre-novembre 2017. Là, 2018, la problématique qui commence. On voit le 23 janvier, les articles du journal, le 7, 7, encore, 7 février dernier, que la position des élus est que la route de Vauvert ne serait plus euh, dans les priorités. Alors, on voudrait savoir ce soir, de la part de, du maire et des élus, quelle est votre position réellement? Parce que, entre qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce que vous laissez sous-entendre, c'est complètement à l'opposé. Alors, on voudrait savoir à ce soir quelle est la position, même si elle est verbale, parce que les écrits des derniers temps nous insistent à dire que l'abandon de la route est là. Bien, euh, d'abord, M. Murray, je pense qu'on s'est déjà communiqué ensemble à quelques reprises. Oui. On a eu des bonnes discussions, puis je vous ai dit que la route est prioritaire, ça, c'est clair. On a deux grosses priorités présentement à la Ville il y a la route, puis il y a la piscine. Dans les deux cas, parce que la piscine, il ne faut pas oublier une chose, on dit qu'on va faire la piscine, mais encore là, le financement n'est pas attaché. C'est la même chose dans le cas de la route. Donc, nous autres, le problème dans le cas de la route, c'est ce qui arrive là-dedans, c'est qu'il y a une distorsion entre ce que le ministère propose comme travaux et ce que la Ville dit que ça prend comme travaux. Okay? C'est là qu'on arrive avec une différence de 9,6 à 11,9 millions environ. Là. Donc, nous, on dit qu'on ne fera pas une route à 9,6 quand on sait que dans deux ans, ça va être recommencé. Donc, ça, c'est la base de tout. Donc, nous, ayant pas de réponse, euh, moi, je suis à la même place que vous, euh, je trouve que ça n'avance pas assez vite. Donc, au niveau du ministère, vous savez qu'on fait affaire avec le ministère. Donc, évidemment que ce n'est pas seulement que la Ville euh, qui décide dans ce cas-là, c'est le ministère. Donc, nous, des réponses du ministère ont tardé à venir. Donc, c'est pour ça que même encore cet automne, on n'avait pas de réponse officielle du ministère. Et ça, c'est un problème parce qu'ils nous disent oui, 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 mais en même temps, ça nous prend une réponse officielle. Donc, là, euh, nous, suite à ça, c'est là qu'on a décidé, puis d'ailleurs, on s'était rencontrés, puis pour faire euh, bouger les choses, puis en même temps, il faut, faut, faut se rappeler d'une chose, c'est que dans le projet de la route de Vauvert qu'on fait, la ville, à presque 12 millions, euh, c'est sûr que le transport lourd n'est pas là encore. Donc, nous, quand on a décidé euh, de prendre une résolution, de dire on cède au ministère, bien, c'est pas compliqué, c'est parce que là, à un moment donné, il faut que ça avance le dossier, mais ça ne veut pas dire que nous, la Ville, on se retire complètement, contrairement à ce qui a été indiqué dans les médias. Et là, je ne veux pas faire le procès de personne ou quoi que ce soit, mais il y a jamais été question pour la Ville de se laver les mains et de dire on se torse la route de Vauvert, du dossier de la route de Vauvert. Moi, je vous dis que ce soir, que la route de Vauvert va se faire. Je ne sais pas de quelle façon, mais elle va se faire. Depuis qu'on a fait la résolution, les choses bougent positivement. Et là, je ne veux pas rentrer dans les détails, pas parce que je ne veux pas partager l'information. Parce que je ne veux pas nuire justement au dossier. Je veux qu'on ait un règlement prochainement. Puis quand je dis prochainement, c'est d'ici à la fin mars. Nous, on veut, on veut euh, avoir une position officielle, mais la route de vos verres, elle va se faire. C'est un engagement qui a été pris avant. C'est un engagement qu'on prend. On en a parlé assez souvent. Je suis à la même place que vous. j'étais été encore dimanche. Ça n'a pas de bon sens. Est la, on est à la même place. Il y a eu un problème de communication. Mais euh, moi, je vous dis que ça ne l'a pas changé. Ça demeure une des, des grandes priorités de la ville. Alors, pour les convocations cette semaine, nous vous invitons mercredi, le 21 février, à assister donc au film Les Affamés de Robin Aubert dans le cadre du ciné de Dolbo-Mistassini. Dans une région rurale isolée du monde, les parcours croisés de divers individus pris en chasse par des morts vivants. Alors, Les Affamés est... Non seulement le premier vrai bon film québécois de zombie, mais aussi une proposition qu'on peut inscrire fièrement et assez haut dans la liste mondiale de ce genre increvable. L'Association des familles monoparentales et reconstituées Maria Chapdelaine organise le 7 de mars prochain, lors de la semaine de la relâche, un atelier des petits chefs. Et on invite donc les euh, familles et les enfants à se rendre à cette activité qui va se tenir donc le 7 de mars. Nous rappelons que le 8 de mars, il va y avoir, dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le collectif 8 de mars du Centre de femmes du pays de Maria abdelaine qui invite donc hommes et femmes de la MRC à participer à cet événement, qui euh, se fera lors d'un souper-spectacle de variété avec des artistes d'ici. Pour pouvoir se procurer des billets, on peut le faire auprès de l'organisme, soit au 88-276-8585. 85. La campagne 2017 de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean a permis à l'organisme d'atteindre un nouveau sommet. Ce sont 2 124 537 qui ont été amassés grâce à la générosité des entreprises et de la population de la région. Ce montant représente un nouveau record, donc, après avoir atteint le seuil historique des 2 millions de dollars l'an dernier. Sous la présidence d'honneur de Madame Jeannick Tremblay, conseillère en placement, et de M. Stéphane Bédard, avocat au sein du conseil cabinet Gauthier-Bédard, la campagne annuelle de financement de Centraide a permis de dépasser donc l'objectif initial qui avait été fixé à 2 millions de dollars. Rappelons que centraide saint lac saint jean contribue au maintien de plusieurs organismes à caractère communautaire de pouvoir être en opération tant sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine que sur les autres MRC de la région. Festineige de retour pour l'édition 2018 les 24 et 25 février au centre d'Omisky de Dolbo-Mistassini. Toute la population et en particulier les familles sont donc invitées à participer au cours de ces deux journées à cette édition 2018 de Festineige. Pendant ce temps, à Saint-Edmond-des-Plaines, on va avoir, lieu, va avoir lieu le 52e carnaval de Saint-Edmond. Et ça, ça va se tenir donc les 23, 24 et 25 février. Le maire de Saint-Edmond-des-Plaines a invité toute la population de la MRC à venir le visiter au cours de ces trois journées de euh, festivités, plus particulièrement carnavalesques. La cabane à sucre urbaine, qui est organisée par la jeune chambre de commerce de Dolbeau-Mistassini, soit la CLIC, eh bien, elle tiendra, revient cette année le samedi 17 de mars de 11h à 18h. La cabane à sucre urbaine est l'occasion de venir fêter le début du printemps, mais plus particulièrement de venir ce, au centre-ville de Dolbeau-Mistassini et de se sucrer le bec. Les trois MRC du Lac-Saint-Jean, de même que l'organisme Porte Ouverte sur le Lac, invitent cette semaine les médias d'information à une rencontre de presse qui va se tenir au château de, euh, à l'hôtel Le Château de Roberval. Cette conférence de presse sera l'occasion de partager le bilan de l'immigration depuis dix ans dans la région, mais aussi et surtout. Les résultats d'une étude fort pertinente qui a été réalisée par Porte Ouverte sur le Lac dans le cadre du programme Mobilisation, Diversité du ministère de l'Immigration et de la Diversité et de l'Inclusion. Quelles sont les stratégies pour mieux accompagner les personnes immigrantes? Quels sont les moyens de les retenir? Quelles sont les difficultés vécues par les personnes immigrantes Voilà quelques exemples de questions qui trouvent des réponses dans cette enquête. Ce sujet est hautement pertinent dans le contexte où le territoire fait face à une baisse démographique et un manque de main-d'œuvre dans certains secteurs d'emploi. Le maire de Normandie, monsieur Mario Fortin, nous fait part ici de son expérience dans le domaine de l'immigration à Normandie. Je suis la ville au sein de Saint-Jean. Qui a le plus de travailleurs étrangers sur son territoire. Depuis 4-5 ans, j'ai environ 50 à 60 Mexicains qui viennent mmh. travailler pour l'entreprise Nutra bleu, okay. qui conditionne du bleu sur le marché frais. Alors, ils sont chez nous de 5 à 6 semaines. Puis, là, à partir du 1er octobre, là, ils ont quitté, là, mais ils vont revenir. J'avais 47 Guatémaltèques qui demeuraient à Normandin, qui travaillent au Cerf hey. et qui demeuraient en permanence à Normandin. Puis là, ils sont partis pour Saint-Vélicien, mais on est en train de. On a un beau projet communautaire d'accueillir ces, ces Guatémaltèques-là. Puis on le sait que ça va être une des solutions pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Puis lorsqu'on veut travailler avec les autres, puis j'ai un beau projet, puis je vais juste te glisser. On est en train de regarder avec notre presbytère local, de faire une okay. maison d'hébergement pour des Guatémaltèques. Ah, oui. Puis le but de ça, c'est d'accueillir des familles éventuellement. Oui. Accueillir. Au niveau des nouvelles du sport, euh, nous vous rappelons que le tournoi à Midget CFP, de Dolbo Mistassini, se tient actuellement dans les arénas de Dolbo Mistassini. Il s'agit d'une euh, activité que l'on retrouve annuellement depuis nombre d'années à Dolbo Mistassini. La traversée du lac à vélo se tient aussi en fin de semaine, à, et plus particulièrement aujourd'hui, donc à partir de Péribonca, où en Traverse en fat bike la, euh, le lac Saint-Jean sur les Graces pour à, se rendre jusqu'à Robertval. En fin de semaine dernière, se tenait les, une, une deuxième édition, en fait, c'est plus que deux éditions, mais une deuxième édition reprise par des jeunes en ce qui regarde la randonnée Daniel Buteau au euh, Centre des Sportifs, à l'Association des Centres des Sportifs d'Albanel. Et euh, à cet effet, les deux jeunes promoteurs. Euh, soit Messieurs Vincent Pouliot et Jérémy Trottier nous expliquent en pourquoi on est revenu à cette formule et qu'est-ce qu'elle sert. Bonjour, moi, mon nom c'est Vincent Pouliot. Moi c'est Jérémy Trattier. Euh, on est les organisateurs de la randonnée Daniel Buteau, un événement sportif euh, qui se déroule à Albanel, au sein de, de l'association sportive. Euh, c'est la deuxième année qu'on l'a fait. On, on fait ça pour s'amuser. On, euh, on le fait pour euh, qu'il qu continue sans avoir une. Puis euh, cette année, on a une grosse participation. On a eu 105 personnes comparé à l'année passée qu'on en a eu 70. À cause de la température. C'est sûr que les conditions sont vraiment excellentes. Euh, on a vraiment beaucoup de gens, c'est vraiment plaisant. Puis ce qui est plaisant, c'est que grâce à nous, on a leur prix. Puis grâce à ça, ben il y a encore une randonnée. Puis euh, ça fait vivre l'événement, ça fait bouger les gens, puis ça fait triper tout le monde. Et voilà, c'est ce qui met fin à l'édition du 17 février de Nouvelles du du Lac. Nous vous invitons à être présent la semaine prochaine pour d'autres informations sur notre milieu.